Grâce à sa force d'innovation, BASF contribue avec ses partenaires de filière à éviter chaque année 640 millions de tonnes d'émissions de CO2. Pour BASF, une approche durable implique d'être transparent et de raisonner globalement. Bonjour et bienvenue dans le 60 secondes au sommaire 2021, année test en Allemagne pour Samaya, Delticom AG choisit l'Alsace pour rayonner en Europe de l'Ouest, Orano reprend les activités allemandes de Daher. 1,5 million d'euros, c'est le montant levé par Samaya. La start-up d'Annecy a créé une tente ultra-technique destinée aux professionnels de la haute montagne. La tente Samaya a reçu 3 ISPO Awards, les trophées du Salon Munichois ISPO, plus grand événement mondial de l'outdoor. 2021 sera une année test en Allemagne où Samaya compte mettre en place un réseau de distribution. 61 000 m², c'est la surface du futur centre de distribution du groupe allemand de vente en ligne de pneus Delticom AG. Basé à Ensisheim en Alsace, le site bénéficie d'une localisation stratégique au carrefour des marchés européens. Il permettra au groupe de Hanovre de distribuer ses pneus en France, Allemagne, Suisse et en Italie. Les groupes Orano et Daher ont signé un accord prévoyant l'acquisition par Orano Nuclear Packages and Services, Orano NPS, des activités nucléaires de Daher en Allemagne, Daher Nuclear Technology GmbH DNT, et de sa filiale en Amérique du Nord, TLI. En Allemagne, les équipes de DNT situées à Hanau-Elise organisent les transports ferroviaires et l'entreposage des déchets nucléaires. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.